Comme on l'a dit tantôt, on va refermer la page des peuples Sawa. On l'a dit depuis lundi, ce sont des peuples assez particuliers avec des caractéristiques qui se révèlent au premier regard, à partir même des accoutrements et même de certaines cases. Franck Cyril vient donc mettre un point final pour que nous soyons davantage aguerris en ce qui concerne les peuples Sawa ce matin. Ben voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur la rubrique culture. Et cette rubrique qui vous donne, en termes de culture, ce dont vous avez besoin. Nous avons ouvert un pan de voile pour le compte de cette semaine sur les maisons d'habitation en ce qui concerne les peuples Sawa. Nous vous l'avons dit, ces peuples Sawa avaient une particularité dans les constructions de leurs cases. Ces cases qui, ma foi, permettent tout de même que l'homme Sawa puisse répondre aux exigences des conditions atmosphériques, répondre aux exigences même de son vécu. Parce que, nous l'avons dit, de ce côté-là, la chaleur torride impose une autre façon de faire, impose un bien-être. Donc, le fils Sawa se doit d'observer pour vivre de manière saine dans son environnement. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter un tant soit peu. Et question d'écouter notre frère et qui va nous expliquer un peu comment ça se passe. On va voir, même en image, comment les maisons Sawa étaient construites dans le temps. Alors, ça se passait comment? Regardez et je vous reviens juste derrière. Quand nos papas revenaient donc de la pêche, qu'ils sont un peu fatigués, ils pouvaient au bord de la route, les petites cases de la maison, c'est là où ils prenaient le repos, quoi. Qu'ils pouvaient le souffle pour rentrer ou peut-être à la maison. Sans ça. Sawa, la côte de mer. Vous voyez comment là, on a pas avec les poissons là. Ici, il y a un filet. On a essayé de transformer, essayer de montrer quoi, comment voilà, vivre à côté de la côte. Par la pêche, J'espère que vous avez été édifiés avec ces images des constructions. Il vous l'a dit, il vous l'a précisé, ces maisons-là avaient une particularité, celle de pouvoir faire entrer le vent à la maison, ceci pouvant résorber le problème de chaleur. Donc, pour ceux-là qui sont sur la côte ou pour ceux qui ont migré vers la côte, ils ont la possibilité, ils ont l'obligation de vivre dans une maison. Donc, la qualité donne tout simplement matière à réflexion en termes de construction. Vous pouvez être obligé, bien évidemment, de construire de cette façon juste parce qu'il faut résoudre un problème vital qui est la chaleur. Donc, vous avez obligation de faire très attention. Et véritablement, c'était bien. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes assis, vous pouvez voir à l'intérieur, vous pouvez voir qui arrive chez vous. Ben, véritablement, très bien construites ces maisons-là. Et c'est pour ça qu'on va dire merci à notre frère qui nous a étayés et sur la qualité et le comment étaient bien évidemment construites les maisons des fils et filles Sawa de la côte. D'ici là, portez-vous bien. Namala. Bye bye. Voilà, on va se dire au revoir. Et bien sûr, pourquoi pas utiliser Namala qu'on a employé tout à l'heure. Un déguisement particulier, des cases particulières et même un mode de vie aussi bien défini, c'est toute, n'est-ce pas, la sphère des peuples Sawa. On retrouve généralement dans le littoral, dans la région littorale du pays. Bonjour Sophia. Good morning. Alors, ça va super bien avec vous ce matin. Ça peut aller. Non, ça va. Ça ne peut pas aller parce que
même si vous essayez de camoufler, ça va ce matin, ça va super bien. Voilà. D'accord. Merci pour ce sourire encore ce matin. Je voudrais vous inviter à le garder pour revenir avec lundi prochain. En attendant, on parle encore des limons. Yeah. Dis-moi, on referme la page des limons. That's true. We end with lemon this morning. Good morning to our televiewers. It's the start of the weekend and I wish you just a wonderful weekend. For lemon, what are the nutrients? We have water. Remember that lemon has 89% of water in it. So it's the water quantity in it. It's so much. Fiber equally has antioxidant. Don't forget that. Iron, calcium, potassium, citric acids, vitamin A and C, and vitamin C, 31 grams. So it's so much containing it. What does it do? It lowers stroke risk. Remember that I said when you want to consume lemon, you have to dilute. Don't consume it that way. Please, do not consume it that way. It lowers blood pressure. It helps with cancer prevention. It prevents asthma. It helps with cell damage. It maintains healthy complexion. That means those who have sunburn. You know, those who walk under the sun all the time, you see what happens to the face when the sun burns your face. Aging too, it helps. Pollution, you have the wind, the sun, the rain, that has an effect on the skin. So this will help you with it. You see people buy lotions for their body that contains lemon. It increases iron absorption. It boosts the immune system. It helps with cold and flu, catarrh, cough, and anything. And I say when you want to do this, you mix lemon, water, warm water, and honey, and it will help you. It helps with weight loss. You're watching your weight, use this to help you reduce the weight that you want. It helps in healthy digestion. It reduces constipation, reduces gastrointestinal problem. Helps with anemia prevention, shortage of blood in the body. It helps with kidney stone prevention. The citric acid that is contained in lemon helps to prevent kidney stone. You can problem de rein, as Kevin will rightly say it. It protects the lungs and oral cavities, the mouth too. Let me talk about some of the secondary effects. Consuming foods that are rich in vitamin C helps to develop resistance against infectious agents. It doesn't mean you only consume lemon that contains vitamin C. There are other fruits and other foods that contains the vitamin C that you have to consume in order to help you fight your body be resistant to infectious agents. And reduced consumption of vitamin C will lead to a deficiency. Remember that. Surtout consommer ce qui contient de la vitamine C, notamment les limons dont on a, n'est-ce pas, l'effigie en image ce matin, vous l'avez dit, c'est 89% d'eau et 31 grammes de vitamine C. Exactement. Il y a des antioxydants, il y a du fer, il y a des protéines aussi et de lion contenu dans ce petit fruit qui peut faire des merveilles. Et je pense qu'en précision, vous avez dit que c'est mieux généralement d'en acheter ce qui est jaune de l'extérieur. Yes, yellow, like et encore solide. Very strong. Pas... Voilà, jaune et solide. Ok, ça peut vous aider à lutter contre les inflammations de la bouche. Si vous sentez que votre bouche, des fois, c'est pâle ou alors c'est comme s'il y a des blessures à l'intérieur, le lémon peut vous aider dans ce sens-là pour rendre votre voix suave. Vous associez cela au miel pour certaines personnes et à d'autres choses aussi, ça dépend de vous. Dans tous les cas, vous pourrez associer. Ça lutte bien évidemment contre le cancer, du moins ça prévient les cancers. Ça aide à la digestion et ça libère la peau de la pollution ou alors de l'effet du soleil. Voilà. Aging, pollution. C'est un anti-âge aussi. Les mots, quelque chose de bien. Ça entretient les reins. Okay, et même aussi, oui. Et même aussi le métabolisme entier du corps. All the immune system. Voilà, ça renforce le système immunitaire. Et ça vous met à l'abri, n'est-ce pas, des petites infections. Des petites infections qu'on peut avoir. Deficiency. Donc, ça renforce vos anticorps dans tous les cas et ça rend votre système immunitaire plus résistant. De temps en temps, une cuillère de lémon, diluée surtout, on a dit, ne pas prendre sans diluer. Ça peut être bien. Voilà. Et vous consommez cela, ça vous met aussi à l'abri du déficit en vitamine C, ce qui peut créer d'autres problèmes, non seulement de peau, mais aussi du cœur. Merci, Santa Diva.
Thank you for the recapitulative in French. D'accord. Alors, nous sommes des femmes, généralement, dans la société, lorsqu'on observe des relations amoureuses, ça va, ça vient, ça commence, ça finit. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Est-ce que vous avez quelques tacts, n'est-ce pas, pour maintenir sa relation, pour pimenter la flamme de son amour au jour le jour? Okay, as a woman, I'll speak at the position of a woman. Exactement. Okay, firstly, we are facing a lot of challenges in relationship today because women want to be at the same level like men. Malheureusement. Yes. Il y a ce problème d'égalité. Yes. Mm. Everyone wants to be equal. Say, I've gone to school, I earn more money more than you do, yeah. And I do those things. Mm. I think the first way in which you can do that is being submissive. D'accord. La soumission? Yes. My pastor said that no man will ever leave a submissive, wife. Mm. Because it's only in that submission that so many things happen. D'accord. It's true there are other things that you can do, cook food, go out on dinners, have time to talk and other things. But I believe dress well, keep the house clean. D'accord. Oh, Kevin, I believe those things are details. Ah, d'accord. There's much more details. Mm. But I think what is important is that a woman should be, we women have to learn to be submissive. Tout d'abord. Et qu'est-ce que vous mettez dans soumission? C'est ne pas contester ce qu'il dit. No, not that. If you want to contest, there's a way to do it. Not that way. He says one thing, you already are 20. You know, there are women like that. Or whenever he wants to say, even if he does not give you money, you have to embarrass him everywhere. People don't know that. Oui, une femme qui est rebelleuse. Yes. À chaque endroit, elle est toujours prête à vous faire la guerre. She's always fine. You always wanted to find trouble. You know, I used to be like that. I used to be very interesting. D'accord. Sauf que vous avez vite compris la leçon. Well, it happens. Mm. D'accord. Pour le côté de la femme, puisque vous avez voulu parler en tant que femme, c'est normal. Il faudra être soumise. Yes. Révéler le caractère naturel de la femme, parce qu'il faut le dire, même dans les études bibliques, ce sont les instructions du divin. Yes. La femme doit être soumise. But it also depends on the man. Ah, d'accord. A woman that is submissive will depend on the man's character. If a man doesn't treat you well, I don't think a woman will be submissive to you. Vous ne pensez pas que la façon dont le mari traite la femme peut dépendre aussi de comment elle se comporte en elle? You can be submissive and the man doesn't treat you well. Malheureusement. Et là, vous devenez rebelle, vous faites comment? What do you do? Je vous demande. When I get there, I will know what to do. D'accord. Bon week-end à vous avec le même sourire. Same to you. Allez-y. Pas terminé. Bon, on va se le dire en nous. Toujours en bas. Toujours en background. Oui, oui, c'est mieux comme ça. Alors, bienvenue, la mère. Hein. Bonjour. J'adore votre rouge. C'est soft, délicatement placé. Voilà. Et puis, ça ressort, une autre partie, un autre visage de vous. I'm blushing. Merci beaucoup. merci beaucoup, Kevin. Bonjour. Merci. Ils sont vendredi. Je m'attendais à ce que vous entrez en sautant parce que généralement c'est un jour de fête pour vous. Hein. En réalité, on peut sauter même dans la tête. Ah, d'accord. Fois, sauter dans la tête. Oh, oui. Vous imaginez une tête sur le cou en train de faire comme ça? Imaginez-vous ça. Mm. Donc, ça fait. Vous imaginez quelqu'un qui est assis et la musique passe, il n'a pas les pieds pour danser. Imaginez ce que ça fait dans son esprit. Comme quelqu'un disait, tout le monde assis sait danser. Absolument. Mais debout, on peut détecter facilement celui qui ne tout sait pas le distinguo entre le pied gauche et le pied droit. Tout à fait. Et en réalité, c'est lui qui enjoy même si la musique. Dire, la musique plus que tout le monde. Il est très ambiancé, suivez mon regard tout de suite. Tout à fait. Très, très ambiancé. Alors, merci pour ce sourire là-bas. Hein? Oui, calme. Votre espace est celui qui, bien évidemment, ouvre l'aventure à ces femmes qui ont perdu un peu de l'espoir en elles et bien sûr de la confiance. On vous redonne cela avant demain parce qu'il faudra être la reine de la beauté et bien sûr de la soirée parce que et samedi généralement c'est journée événement et donc il faudra être sur son 32 vraiment. Si je me permets de le dire tout à fait même 33 pourquoi voilà. Pas merci beaucoup c'est Kevin une fois de plus c'est vraiment important d'être rayonnant oui surtout pendant les fêtes
Parce que quand vous arrivez, généralement, pendant les fêtes, je me souviens hier, quand je rentrais du travail, j'ai tamponné un groupe de femmes. Oui. Et ces femmes-là, toutes se ressemblaient. Mmh. Curieusement, mais ce n'étaient pas les sœurs. Mais qu'est-ce qui le faisait, qu'est-ce qui était cette similitude? C'était la beauté de visage. Donc, on a l'impression... Elles étaient toutes belles. Oui, elles étaient maquillées de la même façon. De la même manière. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et je peux vous assurer, j'y arrive. Mmh. Le maquillage peut vous donner notre visage. Mmh. Tout à fait notre visage. Donc, ça dépend de qui est devant vous. Ça dépend également de ce que vous voulez faire ressortir. Pareil pour demain. Donc, si vous allez assister à un événement, vous allez constater, surtout pour les hommes, les hommes ont toujours l'impression qu'elles se ressemblent tous. Surtout si les femmes se mettent dans les mêmes tenues vestimentaires. C'est vrai, et appliquent le même maquillage. Voilà. C'est vrai. Bref, ils sont perdus. Et quand c'est ainsi. Parce que le maquillage, ça change le visage. Absolument. Ça change l'apparence. Absolument. Si vous adoptez le même maquillage, c'est fort probable que vous vous ressembliez. Tout à fait. Surtout pendant les mariages. Voilà. Alors, pour la mariée de demain, et même les invités de demain, voilà ce qu'on vous propose. Alors, depuis lundi, nous avons proposé les oignons comme astuce. Lundi, nous avons proposé un masque facial. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Vous râpez tout simplement votre oignon et puis vous appliquez sur le visage. Tout court, c'est clair. Alors, quand vous avez déjà appliqué, vous pouvez laisser cela durer, durant 10 à 15 minutes. Mm-hmm. Ensuite, vous rincez. N'oubliez jamais votre huile végétale. Toujours. Voilà. Mardi, c'était pour les cheveux plutôt. Les cheveux cassants, les cheveux qui se sont complètement rasés devant la devanture. Voilà. Il y a un adjectif voilà, que Kevin nous avait utilisé. Et voilà ça qui vient de sortir. Voilà. Voilà. Si vous avez ce genre de problème, vraiment, ce n'est pas fini. Il y a des gens qui vont opter pour beaucoup de choses que je n'aimerais pas m'aventurer à citer ici parce que je suis sûre, beaucoup vont laisser même les oignons pour courir vers celui-là. Pourtant, c'est un peu dangereux. Voilà. Malheureusement. Justement, malheureusement. Voilà. Donc, pour cette raison, je vais vous proposer plutôt de rester toujours avec vos oignons qui sont naturels et bio. Alors, pour mardi, mettez cela dans vos cheveux. Vous allez râper toujours. Quand vous avez terminé de râper, vous passez par les pompons comme si vous voulez faire un défrisage. Vous faites 4 pompons sur les chevelus. Même si les cheveux sont petits comme ça, ce n'est pas un problème. Passez par les 4 pompons. Ça va vous permettre de mieux appliquer votre astuce. Alors, quand vous avez terminé, vous prenez chaque pompon, vous appliquez. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous attachez. Mm-hmm. Et ensuite, vous allez couvrir avec un plastique. Quand vous avez terminé, vous couvrez votre chapeau de bain. Justement. Mm. Et laissez reposer durant 45 à 1 heure de temps. Là, avec les cheveux, ça ne blague pas. Il faut qu'on laisse pénétrer pendant très longtemps. Alors, après les 45 à 1 heure de temps, vous pouvez donc rincer avec l'eau tiède. Mm-hmm. Ensuite, l'huile végétale. C'est très important également pour vos cheveux. Et vous allez faire cela chaque mois, donc 4 fois chaque mois. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser. Une fois la semaine. Une fois la semaine, mm-hmm. Voilà, tout à fait. Ça, c'est pour les problèmes vraiment un peu aggravés ou encore un peu accentués. Mm-hmm. Alors, c'est pas trop grave, c'est même 2 fois le mois. Voilà, mais c'est pas grave. Mm. Alors, à part cela aussi, nous avons parlé mercredi, nous avons proposé pour les yeux. Les gens qui ont des problèmes de vue, voilà, des fois ça démange, des fois ça fait comme si vous étiez face à la fumée. Mm-hmm. Des fois, vous vous réveillez le matin, vous constatez que les yeux collent, ainsi de suite. Alors, pour éviter tout cela, essayez tout court de couper. Découper les oignons. Quand vous découpez, ouvrez vos yeux. Laissez couler les larmes. Parce qu'il faut aussi choisir un oignon qui est frais. Parce que si vous prenez ce qui est sec, ça risque de ne pas vous donner les mêmes effets. Donc, cette effervescence qui sort de l'oignon, c'est ça en réalité qui va faire couler les yeux. Mm-hmm. Ça rince les yeux. Ne vous inquiétez pas du tout. Ne paniquez pas aussi. Faites cela même chaque jour si possible. Vous permettre de vite avoir votre vue. Vous savez, quand on n'a pas une bonne vision, on est vraiment dans tout est shut down. Oui. Quelqu'un disait la vue, la vie. Justement.
Donc, on est vraiment coincé, Kevin. Alors, ça, c'était pour mes crédits, pour faire cela tous les jours, comme je disais tout à l'heure. Jeudi, j'ai proposé cela pour les taches noires, ceux-là qui aiment bien toucher, tripoter les boutons. Suivez mon regard. Il y a des personnes qui ne savent pas se contrôler, moi y compris. Hein. Donc, des fois, la main est là, ça touche, même quand les boutons n'ont pas encore atteint sa maturité. C'est ça qui laisse alors les points noirs ou les taches noires sur le visage. Comment donc contrer cela? Avec l'oignon râpé, toujours, vous pouvez, pas râpé, j'y arrive. Il y a deux options dans tous les cas. Voilà. Vous pouvez fendre en deux et puis vous frotter cette partie-là. Frotter sur cette partie-là, minutieusement. Ou encore, vous allez pour ce que vous avez râpé. Ouais. Et rassurez-vous que c'est lourd comme pâte. Et c'est très lourd. Parce que si c'est trop liquide, ça va couler. Oui. Et ça ne va pas vous donner le résultat qu'il faut. Et vous pouvez faire cela autant de fois que vous pouvez, même par jour. Hein. Vous pouvez faire même deux fois par jour. Ça dépend du temps que vous avez à votre disposition. Et rassurez-vous que les oignons sont au marché, mais ça ne coûte pas assez, très cher. C'est pas abordable ni cher, c'est juste modéré. Alors, pour le bonus de vendredi, Kevin, j'ai proposé le pour les visages qui démangent. Ok, les visages qui démangent. Voilà, Et cette astuce aussi. Même procédure. Vous grattez, ensuite, c'est cette liquide dont vous voyez à l'écran là, qui va vous permettre de dire non à tout cela. Des fois, c'est ce qu'on appelle le camnogo. Oui, des fois aussi. Il y a de la dâtre. Oui, il y a l'eczéma. Il y a des démangeaisons ou les problèmes qui proviennent même de votre lait. Oui. Les laits surtout qui ont l'hydroquinone peut vous donner ce genre d'effet si vous avez des allergies, parce qu'il y a des personnes qui ont également des allergies. Donc voilà, vous pouvez appliquer cela deux fois la semaine et en termes de quantité, vraiment c'est bio. Hein. Donc mettez autant que vous pouvez parce que le problème en réalité c'est de trouver une solution à la fin. Voilà, Kevin. Merci, la mère. Les oignons, désormais, ne seront plus présents seulement dans nos cuisines, mais aussi dans notre espace beauté. Absolument. Parce que on peut en bénéficier pour lutter contre les visages qui démangent, l'eczéma, les peaux sèches et tout. Véritablement, c'est un ingrédient bon hein, pour la beauté. Merci, la mère. Hein. Merci aussi. Alors, s'il fallait donner des conseils à votre jeune sœur qui, malheureusement, passe de déception à déception, ses relations ne marchent pas et elle-même elle ne sait pas pourquoi, s'il fallait donc lui donner des conseils, comment tenir la relation et pimenter davantage la flamme de l'amour, que lui diriez-vous? Voilà, donc, et qui de relation en relation? Oui, ça ne marche pas. Ça ne marche chaque pas. Fois, ça commence, ça termine. Ça commence, ça termine. Elle-même ne sait pas pourquoi. Et donc, certainement, peut-être qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle manque peut-être de tact ou de stratégie. En tant que grande sœur, que lui direz-vous, ma petite sœur? Voici ce qu'il faut faire pour tenir une relation. En réalité, Kevin, on ne peut jamais tout connaître, mais on peut quand même essayer. Avoir le minimum, c'est vrai? Oui, avoir le minimum. Et ce que je peux lui donner comme conseil, c'est, première des choses, elle devrait faire un check d'elle-même. Oui, et essayer de sortir une feuille. J'ai l'habitude de dire cela, même hors de ses antennes. Des antennes, voilà. Oui. Vous prenez une feuille vierge et vous commencez à énumérer ces choses-là sur vous, que vous connaissez d'abord. Qualité, défaut. Qualité, défaut. Vous faites deux colonnes. L'autre côté, ce sont vos qualités dans une relation et vos défauts dans une relation. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, justement. Ensuite, vous faites aussi ce que vous avez comme, je vais dire, vous espérez avoir. Voilà. Oui. Oui. Et puis, c'est-à-dire vos attentes. Oui. Oui, dans une relation toujours. Maintenant, quand à partir de là, vous saurez si vous êtes le problème ou ceux qui sont en face de vous sont les problèmes. Et de trois, soyez honnête avec vous-même quand vous êtes en train d'écrire. Parce qu'il ne s'agit pas d'un examen où on va vous donner les points, mais c'est une auto-évaluation de vous-même. Oui, ça va vous permettre de savoir. De quatre, demandez-vous ce que vous faites aussi trop, parce que parmi ces choses-là, vous allez naturellement voir ce que vous faites un peu trop et ce que vous faites moins. Et puis, quel type de personnalité vous tombez, puisqu'il faut aussi faire une espèce de... Quel type de personne, puisqu'il doit toujours avoir une similitude. Une similitude entre ces gens-là, chez qui vous avez...
déjà eu à naviguer avec. Mmh, exactement. Oui, voilà. Donc, peut-être c'est même votre critère qui est en train de vous mettre dans le problème. C'est vrai. Peut-être vous attachez à quelque chose qui ne tient pas avec vous. Si c'est déjà le cas, à partir de là, il faut barrer. D'accord. Et maintenant, à ne pas négliger Kevin, c'est aussi votre, comment on appelle ça, votre astrologie, donc votre étoile, comment on appelle ça encore. Oui, votre aura. Voilà. Ouais. Il faut regarder, puisque quand vous êtes né, je vais dire, chaque mois est toujours associé à un signe zodiaque. Voilà, exactement. C'était le mot. Voilà. Votre signe zodiaque peut ne pas marcher avec certains signes d'autres. Donc, vous essayez de voir cela aussi. Et pour, à ne pas oublier aussi, nous sommes avant tout les Africains. C'est vrai. Donc, des fois, peut-être on nous a fait ça aussi. Il fallait regarder le côté village. Il faut aussi regarder. À ne pas négliger. Oui, à ne pas négliger. D'accord. J'aime bien le côté auto-évaluation, introspection, parce qu'il faut commencer à regarder le problème sur nous avant de regarder sur l'autre. Tout à fait. Et lorsque vous avez détecté le problème, c'est facile à résoudre. Absolument, Kevin. Oui. Wow. Merci. You're welcome, Kevin. Bon week-end à vous. Merci, meilleur à vous. L'instant de sport ce matin, on commencera avec cette sanction du tribunal arbitral des sports qui s'est prononcé sur le crucial problème entre Seydou Mbombo Ndjoya et le général Pierre Semengue. On se souvient que la Ligue de football professionnel du Cameroun avait été suspendue et toutes ses compétences en rapport avec le football camerounais retirées. La sanction donc de Seydou Mbombo Ndjoya retombée sur la tête du général Pierre Semengue, c'était le 4 novembre 2020 et donc en retentissement, le général Pierre Semengue a donc porté plainte au tribunal arbitral des sports contre son collaborateur Seydou Mbombo Ndjoya et donc le tribunal a rendu son verdict hier sur ce différend. Mais malheureusement, on va le dire, le général Pierre Semengue s'est mis le doigt dans l'œil parce que sa sanction n'a pas du tout reculé d'un seul pouce. Au contraire, le tribunal arbitral des sports a maintenu cette sanction et estime que la Ligue de football professionnel du Cameroun est carrément expulsée de toute activité liée au football et ses compétences retirées en attendant de pouvoir mettre sur pied un nouveau bureau, n'est-ce pas, de la FECAFOOT. Nous le savons, le processus électoral avait été enclenché il y a 3 jours de cela. Coton Sport de Garoua et Fovu de Baham qui ont été sacrés, bien évidemment, meilleurs du championnat Elite One du Cameroun, même si pas encore à la fin. Nous sommes à quelques jours pour la fin, mais ils continuent de tenir le cap de la compétition. Ces deux équipes, donc, Coton Sport de Garoua et Fovu de Baham, ont été désignées par la FECAFOOT pour représenter le Cameroun lors, n'est-ce pas, des compétitions africaines interclubs de la saison 2021-2022. Il s'agit notamment de la Ligue des champions africaines et de la Coupe de Confédération. En autre information, Franck-Yves Bombeck, voilà, a signé définitivement avec le club Grenoble Foot. Pardon, je suis avec Choupo-Moting tout d'abord. Merci à Joël Didem pour l'orientation. Choupo-Moting pourrait donc rejoindre, n'est-ce pas, pourrait rater les premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est... Et cette première journée des éliminatoires prévue pour le mois de septembre prochain, nous nous souvenons de la liste du sélectionneur Antonio Conceição. Choupo-Moting figurait donc là-dessus, mais non, il pourrait ne pas être présent parce qu'actuellement souffrant d'un véritable coriace mal de dos. Et pour transiter avec Franck-Yves Bombeck, nous y sommes. Lui qui a signé, merci à Joël, il a signé avec le club Grenoble Foot 38. Ce joueur qui vient du club portugais dénommé Portugal et bien évidemment formé par le Paris Saint-Germain. C'est une nouvelle courbe à sa carrière professionnelle qui se dessine.
Pour revenir et parler cette fois-ci de Bundesliga, toujours au sujet bien évidemment de notre compatriote Choupo-Moting qui est très incertain pour sa reprise au sein de la Bundesliga ce vendredi même, alors que son club Bayern de Munich va faire face à un club de redoutable performance. Il s'agit de Gladbach, mais malheureusement Bayern de Munich pourrait souffrir de l'absence de Choupo-Moting, comme on l'a dit tantôt, souffrant de mal de dos. En ce qui concerne le tirage au sort de la CAN 2022 prévu pour le 17 août prochain, ils sont deux qui vont animer, n'est-ce pas, cette cérémonie officielle. Ils sont en image. C'est une Nigériane du nom de Mimi Fawaz et le Camerounais Leonard Châtelain qui vont donc animer cette cérémonie officielle de tirage au sort CAN Total Energy 2022. Le classement FIFA pour en parler, le Cameroun a fait un véritable bond en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce classement. L'équipe des Lions Indomptables du Cameroun a gagné 6 places du 60e rang mondial à la 54e place. Il faut le dire, c'est quand même un avancement. Et quant à l'équipe Fagnon du Cameroun, elle garde, n'est-ce pas, sa 8e position sur le plan continental. Et pour sortir avec Simon Gapoundoumbou, il a été sélectionné avec le Cameroun pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2020. C'est un véritable bon parti de l'équipe des U20 pour être sélectionné directement, n'est-ce pas, dans la tanière des Lions et appelé à se préparer pour le Mondial Qatar 2022. C'est une véritable récompense, comme certains observateurs du monde sportif l'ont appelé. Point final à l'instant sport, on prendra quelques pharmacies de garde si la réalisation nous permet. On a comme pharmacie de garde aujourd'hui la nouvelle pharmacie du Benin qui se trouve au carrefour Aubège de Bafoussam. Elle répond au 233 44 15 57 à côté de la pharmacie amiénoise que vous trouverez à la place des fêtes de Bafoussam. Elle répond au 233 44 51 10. Et puis la pharmacie Ange Gabriel que vous trouverez au Feu Rouge, c'est toujours à Bafoussam. Elle répond au 233 44 18 33. Et la dernière, c'est la pharmacie Binam que vous trouverez sur la route de Foumban. Ses contacts sont le 233 44 32 31, le 233 44 25 55. Merci à Joël Didem. Nous sommes arrivés au terme de cette autre production pour le